Welcome to Mr. Rob's Gaming. Avant l'équipe de Moon Eye, ça va être avoir le damage ici, quand même assez bon. Oh, on va aller chercher First Blood! Il est gagné au mid, elle en marque dans 2 minutes 15. Ça fait vraiment une grosse différence en early game. Au bot lane, il y a du beau engage qui se donne. Néanmoins, on bloque le damage de Lune, de Kai'Sa, fait que ça va pas. Il y aura, Kai'Sa n'a pas raison de l'ADC. Puis rendu là, ça va être un 2v1 si jamais ça se donne, mais on s'entend que présentement, il n'y a pas grand HP qui se donne du côté de Jawin. C'est assez risqué. Si on fait en sorte que ça s'écoule, on n'aura pas le damage. That's it, Jawin, un kill, un assist, un botlane 2. Le key target, je pense pas que c'est bon. Ah, c'est ça, on disait justement qu'on allait engage. Quand on a l'avoir trouvé ça, c'est tout. Il y a un kill pour le support. C'est pas vraiment la meilleure target. Mais on va essayer de donner au moins le deuxième au jungle. Donc ça va être deux kills pour votre team Moon Eye. Un bloodbath à peu près assuré à tout team. On pop le ultimate assez early alors qu'on a pas encore on a été cessé. Fait qu'on conservera pas de cessé avec. On va juste lancer du damage. Oh, on va aller pour le dive là. Ça c'est clair là ici. Et voilà, 2 kills en faveur de 0 pour ETS Spark, 3 kills d'affilée en fait pour ETS Spark, puis ça va être la Fresh Blood Turret aussi qui va tomber. Elle a le potential d'être une menace sur la map. Ouh, la Irelia engage justement, pardon, elle porte ravage. Je pense que c'est ça. Je pense que ça va suffire avec le shield, mais on va aller la finir à ce moment-là. Et au final, par exemple, les membres de Moon Eye ont rappliqué assez vite. Ça va être une question du damage output de l'ADC contre ça de l'autre. Puis le Gragas était late au party juste parce qu'il était mort juste avant. Donc ça va être à la 4 pour 3 et on va aller chercher le 5ème ou tout, on va l'essayer. Oh non, ok, Sandra avait survécu, elle avait dash out. Oui. Fait que c'est genre 5 pour 2 finalement en faveur de ETS Spark. Très un petit peu d'attention, on est quand même 3-4 présentement, donc on sait qu'on est. On va éclater le Noxium, il n'y aura pas de contestation à ce niveau-là. Puis je pense que du côté de TS de Moon Eye, on va juste se rappeler juste parce qu'on sait qu'on n'a pas le smite. Mais du côté de TS Spark, on l'a justement le smite à ce temps. On va pas le faire comme il faut, mais c'est correct, ça va être assez pour sécuriser le Baron. Ouh, beau NJ, j'ai très tapé le Baron, on a vu justement l'opportunité, on s'est dit on va y aller, mais. Je pense qu'on aurait été quand même bien de juste reset là, pour éviter les damages de la Kali. Là. Fait que ça va être 4 pour 3 en faveur de Moon Eye. On va voir si on va être en mesure justement de finir qui que ce soit. La Irelia est quand même capable de vouloir de bons damages là-dessus. Là. On va être correct. Ça a été donc au final 4 pour 4, ça va être Irelia qui va faire ça. Ouh, un bon pick du côté de l'Irelia. J'avais l'impression que j'aurais pas fait le QSS plus early, mais bon. Du côté de l'Irelia, on a survécu quand même pendant un bon bout de temps. On est encore sur le Serra Gate, mais oh! Ça va être close, il restera pas grand HP de l'Akali. Néanmoins, ça va dépendre maintenant si l'ADC peut clean up avec la Lissandro. Ouh, go engage avec Go Hill surtout. La team Moon Eye aura eu raison à ce moment-là de TS Sparks avec le Moon Eye sur le dos. Cool, le fond, le Baron va rester en vue parce qu'on veut pas le finir, là, ça c'est clair. Là. On veut juste faire en sorte que la team verse beaucoup de dégâts. Mais du côté de la team Moon Eye, on a le smart. On a le smite pour finir le Baron. Et le damage, donc on va aller chercher un très gros avantage. On est maintenant à 2 Kagol Difference, puis on va aller chercher les turrets là. On va carrément prendre la upper hand contre TS Sparks. Ça va falloir. Bon.
Néanmoins, le seul déranger là-dessus, c'est ça, c'est Paranoïa de Nocturne. Oh, bien joué pour le flash du Leblanc là-dessus, parce que autrement, on était tout cuit. Là. Et oh, la liste en va avoir raison de Leblanc là-dessus. Mais au final, je sais pas si c'est qui va avoir plus de raison. Des bons assists pour le gameplay, ça c'est clair, c'est du bon damage. Bon, je pense pas que Jace, triple kill pour le Jace, là, ça va faire une grosse différence. Là. On est beau avoir une... On a quand même pas grand kill là, de fait dans la partie. Le damage à Kaisa est quand même dégoûtant. Mais on va avoir le kill là-dessus, puis je pense qu'on va être en mesure d'aller chercher la Leona aussi. Ouais, deux kills en faveur de la Sejuani, donc le gold là il va changer bientôt parce qu'on va aller chercher. On va aller chercher la tourelle du mid, je crois, à côté. Double kill pour le Nocturne. La seule différence, c'est si on arrive à faire la Lucenda. Oh, ça serait bien parce qu'on pouvait à ce moment-là donner un autre assist à Gangplank, donc encore un peu plus de gold. Mais Gangplank, Sivir, reste un meilleur replay que ça. Ça va quand même aller assez loin pour la Leona à ce niveau-là. Là. Et on va finir la CV, mais ça on peut avoir 2 pour 1, on va le prendre. Ouais, c'est ça, 2 pour 1 en faveur de ETS Park. On sent quand même, parce qu'on serait relâché là-dessus. On est assez close sur le gold, puis ça pourrait changer d'un côté comme de l'autre. Puis pendant le engage, c'est difficile pour la gameplay de le joindre, mais néanmoins, à date, la backline elle a survécu. Là. Ça va être le Nautilus seulement qui va avoir tombé là. La Magic a raison une lucky shot ou une bonne shot là, les deux. Là. On n'aura pas fini la chaîne à côté de la plante. Yeah! On n'aura pas réussi le Magic Click non plus. Donc ça va être 4 pour 0 en faveur de Team Moonai. Oh, Nocturne Ult, on essaye encore d'enlever la CV de la map, mais là on n'a pas réussi à l'enlever. Fait que là présentement, le fight pourrait quand même bien virer pour Deathwipe si on continue comme ça. Là. Ouh, le damage du gameplay qui fait ses effets. Encore les kills sur la Sejuani. Vraiment, faudrait mettre les kills sur d'autres targets que la Sejuani, sérieusement. Là. C'est clair que tu présentement la liste en doula plus là on va pogner le fight à place là alright on va donner le kill à quelqu'un d'autre, c'est une bonne chose là parce que je suis allé le voir les plus ça va se soigner. Alright, un kill sur la liste en doula, un passif de base qui permet d'avoir un meilleur sustain. On essaie de faire le pick, on a le pick sur le Jace là, on va essayer de le finir là parce que go damage de moins de sa map. Là. On a aussi le pick sur la Leona, elle pourra pas se pousser parce qu'on a du bon chain CC. Deux bons picks côté de TS Park, on passe nos balles de tir. Ouais, j'entends qu'on se voit les 120, mais il s'en va tellement loin, elle pourra pas faire ça. Là. Oh, par exemple, du côté de Team Moonai, on est bon côté jungle. Là. Holy, on rentre tout le temps. Parce que ça va être difficile d'aller toucher la tarette. Oh! Le pick sur le Jace, par exemple, si ça prend un peu de là. Deux kills instantanés, la Kaisa, il faut pas vraiment se pousser bien là. Troisième kill, le gameplay fait assez mal là. Je pense qu'on va du bon damage. Oh! Le hook sur la Lissandra! Ça aura pas raison encore de elle parce qu'elle a en plus son ult encore, mais oh! On n'aura pas parti l'ult, fait que ça c'est excellent pour le TS Park. Je pense que ça va être la fin. Il va falloir aller envoyer Poppy en réforme de le smite bientôt. On
côté, du côté de Gallo. C'est là que je t'avais parlé de la porte de Gallo, c'est juste la pile. C'est oh, un autre kill de plus pour la Cinder, fait que c'est 2 pour 1, mais on a eu le Drake en faveur de ETS Spark là, à ce niveau-là. Et du Godan. But, mais on a eu un Drake par exemple aussi en faveur de tout. ETS Spark, oh, par exemple la Cinder fait très mal, et avec la CV ça parle de pas. Oh la caisse, ça c'est la key target justement. Donc on a été chercher des kills assez rapidement. Le monde est assez lourd, les cochons ont raison des autres. On va rester la Kelly par exemple qui devrait l'enlever. Si on peut la finir, oh, oh c'était très juste. Oh on l'a eu finalement avec le Urgot, donc ça va être 3 pour 2 en faveur de TS Park. Puis on va aller chercher les turrets. J'ai pas trouvé ce pink là, et là j'en ai. Faut protéger. Oh! Ça a brisé n'importe quoi ce soir-là. On n'a pas réussi à le finir avec ça. C'est ça l'HP. Ok. Je sais pas ce que je fais. Maintenant ça se finit. Le fight, la manière qu'il se passe, je pense qu'il se passe justement comme que TS Park le veut. Là. À part qu'on s'est fait tenter toute la team, là, le reste était parfait. Ça a été 3 pour 1 en faveur de TS Park. On commence à garder le Baron. On a deux personnes qu'il faut qu'ils back, littéralement. Ça va être difficile à garder côté tes Moon Eye, là. Ça devrait être une turret qui va tomber rapidement en faveur de TS Park. Le fight pour arriver surtout à l'inhibiteur si jamais on voulait contester. Non, ça va rester incontesté. Donc, inhibiteur advantage à TS Park. Avantage de gold et maintenant à 6 à gold. On a eu un HP là-dessus. Oh, deuxième hook, on a même pas lutté du côté d'Alistar. On avait pas en fait sa présence. Fait que présentement il reste deux personnes sur leur zone. Oh, on va avoir raison de l'assez rapidement. Ça sent la fin.